Je suis le premier surpris, mais c'est grâce à vos encouragements que j'ai pu continuer par rapport au premier double volume du numéro 1, ensuite le numéro 2, et voilà, le petit dernier, le numéro 3. Quoi vous dire, simplement que j'ai découvert moi aussi les tours automatiques, j'en suis tombé profondément amoureux, et je m'aperçois que vous suivez, donc c'est parfait, on est en parfait accord pour pouvoir continuer. Petite chose que je vais me permettre de faire, juste un petit peu pour se faire plaisir, c'est que le prochain sera semi-automatique, c'est-à-dire qu'on mettra des petites subtilités, des petites manipulations de base pour mixer le principe mathématique avec des manipulations, des techniques rudimentaires. Ça part mal, hein. En tout cas du dessous. Tourne les cartes du dessus. Ça c'est bien, parce qu'il n'y a pas d'autre dame là, je crois. Tourne la deuxième. Ça commence très bien pour toi. 1, 4. Ah. Tu te rappelles que tu as mélangé quand même, hein? Ouais. Quoi vous dire d'autre? Si donc de nouveau on a fait bien sûr beaucoup de recherches de façon à chercher des incontournables que vous allez voir. Et dedans, c'est juste mon avis, une petite pépite, comme sur d'ailleurs le 2 où il y avait une grenade. Donc on va être plus soft maintenant, on a une vraie petite pépite que j'ai adorée et qui est malheureusement anonyme, comme quelquefois ça arrive. Donc je vous laisse avec le numéro 3 et régalez-vous autant que je me suis régalé à traduire tout ça et améliorer des petits trucs. À bientôt.